Je vois une montagne, nue et solitaire. Je vois deux grandes tours sombres et une main ouverte. Une main qui veut qu'on la remarque. Il y a un manuscrit très ancien, plein de sagesse. C'est par là qu'il vous faut commencer. Vous le comprendrez si votre esprit est sain et si votre âme est pure. Mais ça ne sera pas facile. Il vous faudra parcourir une longue route. Ce que vous cherchez se trouve au-delà des limites de votre savoir. Cela appartient à un passé trop éloigné et à un avenir encore plus éloigné. Papa, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Cette fois-ci, tu m'emmènes. Je te l'ai déjà dit, ça n'est pas possible. Nous en avons déjà parlé. Non? Bon. Pourquoi es-tu aussi buté? Ça n'est pas la peine d'assister. Une autre fois, très volontiers, Philippe, mais d'abord... Obtiens ton diplôme. Je l'obtiendrai, le diplôme. Papa, tu es sûr que la montagne parlante existe? Tu en es sûr? Absolument. Après des années de recherche, j'en ai la preuve. Elle se trouve dans ce désert. Mais sa position exacte, tu l'ignores encore? Certes, mais je la trouverai. Il faudra que tu cherches parmi des millions de kilomètres carrés. Je la trouverai. Si au moins tu me laissais t'aider. Non. Parce que tu considères que je suis encore un petit gamin, que c'est dangereux, c'est ça? Mais je le sais que c'est dangereux. Gamin, je n'en suis plus tellement sûr. Bon, dans ce cas... Écoute, Philippe, il faut que tu le comprennes. Cette fois-ci, tu ne peux pas venir avec moi, n'en parlons plus. Tu m'obligerais. Tu es sûr de réussir tout seul? Oui, jeune homme, j'en suis sûr. Je ferai ça moi-même, Gabriel. Très bien. Allez, jetez un coup d'œil à l'intérieur pour voir si je n'ai rien bien oublié. Papa, s'il te plaît, attends. Emporte-le. Tu es gentil, mais jamais je n'aurai le temps de m'occuper de lui. Il te sera très utile. Il est bien dressé. Emmène-le avec toi. Si jamais tu as besoin de moi, envoie-le-moi. Merci, Philippe. Qui te ramènera
Nous ne cesserons jamais d'explorer. Et la fin de notre recherche, ce sera quand nous serons arrivés, d'où nous sommes partis. Mais ce sera comme si nous venions de découvrir un lieu que nous ne connaissions pas. La montagne, fille de la lumière, fille de la lumière. C'est ici que se trouve l'unique fragment de pierre de la montagne parlante, Monsieur Jordan. Vous allez pouvoir le regarder. Avant vous, jamais personne n'a été admis dans cette partie du Vatican. On ne vous accorde que quelques minutes. Oui, d'accord. Merci. Science est connaissance de toute chose. Chaque chose créée t'obéira. Elle a une forme surprenante, cette montagne parlante. L'homme n'est pas le premier maître de la terre et ne sera pas le dernier. Les anciens étaient, les anciens sont, les anciens seront toujours. Non dans l'espace tel qu'il est connu par les mortels, mais dans des espaces spécifiques. Ils avancent invisibles et sans dimension. Dans tous les endroits solitaires de la terre, là où tous les mots ont déjà été au moins une fois prononcés, entendus et ont été compris. Je regrette, je suis désolé, vous n'avez pas le droit d'en lire davantage, c'est tout. Mais, j'ai attendu des années, la chance que j'ai aujourd'hui. Vous avez pu entrer où personne n'est jamais entré avant vous. S'il vous plaît, ne pourriez-vous m'autoriser à poursuivre cette lecture plus avant? Non, impossible. Il faut sortir maintenant, Monsieur Jordan. Je vous remercie. Si seulement je pouvais... Non, il faut que vous oubliez que vous êtes entré dans cet endroit. La lumière. Ah.
attention. Il doit être dans les parages. De l'eau. Il y a de l'eau. Oh. Oh. Tiens, général. Eric von Kröbel, autrefois général des déficients. Aujourd'hui... Légionnaire. Déserteur. Desmond Jordan. Anglais, peut-être. Américain. Ah. Orso. Orso? Ouais. L'ours, c'est votre nom? C'est son surnom. Ah, vous êtes italien. Ouais. Excusez-nous, mais nous... Nous crevions de faim. Bah, il y en a assez pour nous tous. Et puis d'ailleurs, j'ai une dette. Orso est un homme extraordinaire. Il parle peu, mais c'est un excellent soldat. Il dira jamais pourquoi il a déserté, mais c'est pour rejoindre une femme. Il est très généreux. À terre! Reste où tu es. Monsieur Kroll est mort. C'est pas si facile de déserter. Desmond Jordan. Jusque dans le désert africain, il faut que je te rencontre. Je me suis souvent demandé où tu te cachais, grand-mère. Riker. Lieutenant Riker. Qui a tué Kroll? Moi. Ces hommes m'ont sauvé la vie, grand-mère. Ce sont des déserteurs. Légitime défense, tu as ma parole. Ta parole? Elle m'a expédié dans cette Afrique que j'ai en horreur. L'aurais-tu oublié? Tu veux encore témoigner, commandant Jordan? Fouillez-le. Kramer, je suis américain. Ce sont les ordres.
Tu es en zone militaire française. Aucun civil n'a le droit de la traverser. Qu'est-ce que tu fais ici? Que ça peut te faire? Pas d'armes, mon lieutenant. Tu as de la chance. Halimi, laisse ça, on va tout emporter au fort. Désarme-les. De l'eau! Femme, trop jolie pour toi. Il vaut mieux que tu l'oublies. Gros porc. Arrête! Attachez-les. Laisse-le. Personne n'attachera les générales Erich von Gröbel. Laissez-le partir. Gröbel! Gröbel! Arrête-toi! Gröbel! Un déserteur! J'applique la consigne. Je vois que tes méthodes n'ont pas changé. En selle! À cheval! L'ordre est pour toi aussi. Un ordre? Non, tout au plus une invitation, Kramer. Riker! Lieutenant Riker! Change de nom, Kramer, si tu y tiens, ça ne change rien au passé. Jordan, monte à cheval! Dis s'il te plaît, et dis-le à haute voix pour que tout le monde t'entende. Tu n'as pas le droit de me demander ça. J'ai rien entendu. S'il vous plaît, Monsieur Jordan, voulez-vous monter à cheval et nous accompagner? Oui, volontiers. Quel crime a-t-il commis pour mériter une mort aussi atroce? Je ne m'en souviens plus, mais il a certainement fait quelque chose. Sinon, quelle raison aurais-je de le faire mourir? Ce n'est pas ton avis. Thank you.
Comment as-tu dit qu'il s'appelait, cet Américain ? Jordan. Il faut me trouver cet homme. S'il est encore en vie, je le trouverai. Si je crois ce que tu racontes, Monsieur Jordan va enfin nous conduire jusqu'à la montagne parlante, pour peu que nous sachions l'en persuader. Il faut que j'invente une nouvelle tortue. Cet homme avait assez souffert. Tu n'aurais pas dû faire cela. Ce serpent, sais-tu le temps qu'il mettra pour digérer ce pauvre diable? 3 jours et 3 nuits. C'est le temps que notre pacte va durer. Si tu ne m'amènes pas cet Américain, je t'avertis, El Alem, mes serpents auront faim à nouveau dans 3 jours. Est-ce que tu as bien compris? C'est parfaitement clair. Je veux voir cet homme ici. Je veux que le trésor de la montagne parlante m'appartienne. Pas tout le trésor, la moitié. Nous sommes associés. À part égale. Oh, mais bien sûr. Déserteurs. 2 tués et enterrés. 1 capturé. Quels sont vos ordres? Appliquez le règlement, lieutenant. Voilà tout. Alimi! Allez, emmène-le. Oui, mon lieutenant. Un Américain. Il est là. Il s'appelle Desmond Jordan. L'écrivain ? Ici. Desmond Jordan. Je suis heureux de vous connaître. J'ai lu certains de vos livres. Vous êtes toujours passionné par l'insolite ? Toujours, oui. L'insolite me passionne. Je vous comprends. Je vous fais installer un logement. Et j'espère que vous accepterez de partager mon dîner. Je vous invite également, lieutenant.
Si tu essayes de boire, tu crèves étranglé. Et de soif si tu bois pas. J'ai un peu chaud. Sûrement l'Américain. Il n'est plus très loin. Qui parle de nous. Belle Wood, tu t'en souviens? Tu crois que j'ai demandé à être dans la même tranchée que toi? Non, tu m'as sauvé la vie. C'est bête, j'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Ben, on est quitte. Je dirais pas ça. Alors, pour toi, la guerre n'est pas finie? Non. Sans toi, je l'aurais fini. Sans moi. Tu as quand même abattu un prisonnier allemand. De sang-froid. Tu as violé les règles de la guerre. Aucun de mes hommes ne m'a reproché d'avoir violé ces règles. Tu es un meurtrier. Cet Allemand, c'était une pourriture. Tu oublies qu'il a tué 20 hommes, des Américains eux aussi. En les mitraillant. 20 hommes. Ça, c'était un assassinat. Non. Seulement un acte de guerre. Le tien a été un acte de vengeance. Et puis d'ailleurs, le conseil de guerre t'a reconnu coupable. Il y était contraint. Tu as tout fait pour me faire condamner. Ta déposition a été déterminante. De toute façon, te voilà à nouveau officier. Ça ne te suffit pas? Non. Bon, où est-ce que tu veux en venir? Explique-toi. Tu auras une fin très spéciale. Particulière. Nous avons le temps. Commandant. Ah, avez-vous apprécié votre douche? Oui, beaucoup. C'est rafraîchissant. L'eau vous a semblé suffisamment propre? Très propre, merci. Même pour ce qui relève de l'hygiène des hommes, nous devons respecter la hiérarchie. D'abord, les officiers, puis les sous-officiers, ensuite les caporaux, et enfin... vos hôtes. Non, les légionnaires. Tout le monde utilise la même eau. L'eau est très précieuse dans le désert. Mon commandant. Entrez, entrez. C'est exécuté de mémoire ou vous avez un modèle? Je n'ai vu qu'un seul homme de cette espèce. Mort, hélas. Aucun d'entre eux n'a jamais pu être capturé vivant. Alors, si j'ai bien compris, c'est un des hommes rouges? Oui. Par ici.
Karim, ne baisse pas les yeux. Toi qui vois, il faut que tu saches regarder et attendre. N'aie pas peur. Je sais qu'elle reviendra. Moi, je vois ce que personne ne peut voir. Certains prétendent que ces hommes rouges cachent une chose de grand prix, qu'ils protègent. Mais quoi ? Personne ne le sait. On a évoqué des trésors cachés, d'étranges pouvoirs. Légende. C'est l'objet de vos recherches, non ? Mes recherches ? Oh, voyons. Vous êtes un éminent chercheur, les phénomènes vous passionnent. Qu'espérez-vous trouver dans ce lieu désolé ? La montagne parlante. J'avoue que je trouve cette histoire séduisante. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mirage de l'esprit. Séduisant, mais irréel. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est mon monde. Désert, tranchées, chameaux. 200 hommes privés de passé et d'avenir. Je hais la Légion étrangère. Toi ? J'ai fait la bataille de la Marne pour défendre Paris. Où étiez-vous ? En Alsace. C'est là que vous avez connu Riker. Oui. Je suppose que vous connaissez son passé. À propos de passé, commandant, c'est votre nom ? De Brosse. Oh, mon vrai nom est au fond de ma mémoire. Il ne sortira plus jamais. Corso. Ouais. Ça suffit comme ça. Riker affirme que votre présence ici est liée à la recherche de minerais et de pétrole. Est-ce qu'il faut vraiment que je le croie ? Aucune importance. Je souhaite travailler en paix, voilà tout. Ah.
Eh bien, tous mes regrets, malheureusement, mais vous êtes en zone militaire, professeur. Et il faut que tout le monde se plie à des ordres sévères que je dois faire appliquer à la lettre. Donc, pendant un certain temps, il faut continuer à vous considérer comme notre hôte. Est-ce que nous nous comprenons? Ce que je viens de comprendre, c'est que je suis prisonnier, comme ce malheureux. Croyez bien que je le regrette. Moi, j'aime le Sahara. C'est un territoire fascinant, qui semble insaisissable, irréel. C'est un immense miroir qui reflète l'image de toutes les valeurs auxquelles je veux croire encore. L'honneur, l'histoire, le devoir impérieux d'apporter, là aussi, notre civilisation. Le bros de gros nuages menace le monde que vous évoquez. Ça fait un proche. Vous avez peut-être raison. Mais quand ça arrivera, je serai mort. Thank you.
trouver le moyen de s'en aller d'ici. Ça va aller? Oui, oui. Par ici? On va se quitter. C'est ici que nos routes se séparent. Je suis très heureux de t'avoir connu, Urso. Adieu. Ah, le principal. Tu vas la retrouver, j'en suis sûr. Allez, adieu. Adieu. Tu ne retournes pas chez toi? Je te dois tout. Ça va être un très long voyage, Orso. Je te tiendrai compagnie. Thank you.
Regarde. Non, non, non. Attendons. Les attaques. Je veux le chef vivant. Halimi, ramène Jordan. Vivant lui aussi. Prends en position sur la dune. On va les encercler. Toi, toi tu vas de l'autre côté avec tes hommes. Être surpris de me revoir. Hein. Quant à ton ami le déserteur, on le fusillera. Et toi, tu passeras 15 ans dans une prison française pour l'avoir aidé à s'évader.
Dommage, mais que veux-tu? La loi est la loi. Tu vois, c'est le premier qu'on capture en vie. Ça t'intrigue? On regarde. Tu aimerais bien t'entretenir avec elle, hein? Laissez-la, laissez-la. Femme, dis-moi où est la montagne parlante. Ça nous intéresse tous les deux. Où est-elle ? Jordan, ce n'est qu'une femme. Toi? Ah. Alimi? Je vous la laisse! C'est le dernier des salauds! Allez, prisonnière! Laissez-la tranquille! Alors, tu hésites, Riker? Vas-y. De sang-froid. Tue-moi. C'est ta méthode préférée, non? Non? Alimi, mon lieutenant. Donne ton sabre à Jordan. Le règlement l'interdit, mon lieutenant. Donne ton sabre à Jordan!
Allez, ramenez-le au fort. Vous êtes notre prisonnier. Tu fais une erreur. Il a tenté de faire commettre un viol. Il s'est battu en duel. Si je parle, tu ne sers pas ses intérêts. Non. Toi et tes hommes, vous direz au commandant de Brosse qu'il a été blessé par des hommes rouges. Et tu t'en tiens là. Et Orso? Il m'accompagne. Vous avez perdu notre piste. Voilà ce qu'il faudrait que vous disiez. Desmond. On n'a pas fini de régler nos comptes. À la tombée du jour, je les veux tous les deux avant le coucher du soleil. Tout le monde à cheval! À cheval! Allons-y, on répare! Allez! Allez! Du désert. Des pillards. Des bêtes féroces. Les nôtres! S'ils nous rattrapent, c'est fini! Si un de ces hommes est blessé, je vous trache la main! Si l'Américain est tué, je vous trache la tête! Thank you.
Est-ce que tu me reconnais, juif? Tu étais blessé et je t'ai soigné. Et c'est pour ça que je ne suis pas entré ici par la force. El Halem est un homme d'honneur. Mais à présent, je te dois rien. N'oublie pas. Ya! Arou! Shalom. Bienvenue dans la grande oasis. Dans cette oasis, toute forme de violence se trouve proscrite. C'est une loi non écrite que tout le monde respecte. C'est un lieu de paix. Moi, je m'appelle Solomon. Ici, vous êtes en sécurité. Acceptez mon hospitalité. Venez avec moi. Encore un peu de thé? Oui, merci. Est-ce que c'est vrai que tu t'appelles Orso? Oui. Orso, Orso. Orso. Comme l'ours, l'animal. Pourquoi un ours? Parce que ces bêtes-là parlent très peu. Pourquoi avez-vous quitté la Pologne? Un déchaînement de haine raciale. Je vis ici depuis des années. Quand j'ai quitté la Pologne, j'ai abandonné toutes les personnes que j'aimais. Mon père, ma mère, mes frères et ma femme et mes deux enfants. Assassinés. C'est le hasard qui m'a amené à la grande oasis. Mais le passé nous marque pour toujours. C'est vrai, quoi que nous fassions, c'est vrai où que nous allions. Je suis juif. Et ma femme, Yasmina, est arabe. Et Parizade? Ah, elle a beaucoup de chance. Elle connaît la Bible et le Coran. C'est vrai que tu es un déserteur? Eh bien, tu sais, ce n'est pas grave. Mon père dit qu'il est un déserteur, lui aussi. Il a abandonné toutes les choses qui lui avaient déplu. Et puis aussi toutes celles auxquelles il ne croit plus. Écoutez, il y a une piste qui conduit au territoire des hommes rouges. Vous, vous la connaissez, n'est-ce pas? Ceux qui s'y sont aventurés ne sont jamais revenus. Ça, jamais je ne vous l'indiquerai, Jordan. Jamais. Cette piste conduit à une mort certaine. C'est curieux, on dirait qu'ils s'en vont. Shalom, regardez. Leur chef, El Halem, est un homme rusé, très patient. Ne vous fiez pas aux apparences. Oui, mais la nuit, c'est quand même plus facile de se cacher. D'accord. Selle le cheval. Ils n'ont qu'un cheval pour toi. Mais Solomon va leur offrir un deuxième.
Le juif est un homme généreux. Mais El Halem est un homme patient. Maintenant. Ouais, elle se couvre. Ouais, ça va être difficile, hein, sur la lumière de la lune. Solomon, vous savez comment y arriver. Je vous en prie, aidez-nous. Non, je ne serai pas responsable de votre mort. Vous ne saurez rien. Eh bien, dans ce cas, je trouverai la montagne parlante sans votre aide. Je connais mon père. Il vous aidera. À leur place, je me sauverai. Dans quelques minutes, personne ne pourra plus voir quoi que ce soit. Il est à vous. Ah, merci. Nous avions encore à nous dire énormément de choses. Dommage. Solomon, je vous remercie pour votre amitié. Je reviendrai. C'est promis. Et toi? Moi aussi. Tiens, garde-le. Ce par là, attrape-lui! Il est trop tard maintenant. Nous avons perdu trop de temps. Il fallait pénétrer dans la grande oasis et s'en emparer. Vous avez rien que la chance. La chance. Tu travailles très tard, le juif. Ne fais pas semblant d'être surpris de me voir. Tu t'es montré habile, le juif. Tu leur as permis de s'enfuir, mais je suis sûr que je sais pourquoi. Où est la piste qui mène à la montagne parlante? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? De quoi me parles-tu? Tu es le complice de cet Américain et de votre ami Orso. Où est caché le trésor de la montagne parlante? Mais quel trésor? Juif, pourquoi tous ceux qui pénètrent sur le territoire des hommes rouges sont massacrés sans hésitation, s'il n'y a rien à protéger? Je n'ai jamais entendu parler de trésor. Monsieur Jordan n'a rien dit à ce sujet. Très bien. Comme tu voudras. J'ai été patient jusqu'à maintenant.
À présent, gare à toi. Il faut que je sache où se trouve la montagne parlante, car le calife est beaucoup plus cruel que moi. Je t'avertis que si Al-Halim revenait chez le calife les mains vides, il ne resterait pas trace de ton oasis. Al-Halim n'a jamais déçu un associé. Vieil homme, sur quelle piste ils sont? Je posais une question, réponds. Quelle piste? Celle du Hogar. Le juif de l'oasis se repentira de sa témérité. Il est courageux mais malhonnête, car ses paroles sont trompeuses. Je trouve curieux que c'est toi, El-Alem, qui prétende que je suis malhonnête. Que vaut la tienne d'honnêteté? Elle coûte si peu qu'un calife peut l'acheter simplement avec quelques pièces d'or. Ton ami américain n'atteindra jamais le trésor de la montagne parlante. Je le traquerai comme une bête. Et puis, je connais mille façons de le faire parler. Vendre le tuer. De ta part de vivre, Orso. Et laisse-moi seul. Sauve-toi, Orso. J'ai pas le droit d'abandonner. Je touche au but, je le sais. Je vais réussir. J'en suis plus loin. Sauve-toi, sauve-toi. Orso, laisse-moi seul. Non. J'ai un fils à Londres. Ah. Ah.
C'est lui. Il s'appelle Philippe. Si tu peux, va le trouver. Remets-lui. Remets-lui ça. C'est mon testament. Je t'en prie. Il faut que tu le trouves. Mon rêve. Mon merveilleux rêve. Il était si proche. Renoncez maintenant. Non. 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 Regarde, Orso, regarde. C'est un mirage. Non. Non. Tu vois, on l'a trouvé enfin. Thank you.
Tu mourras. Votre père était mon ami. Il est encore vivant. Tu ne vois pas que je t'aime. Je t'aime aussi.